Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. C'est l'heure du journal présenté par Fazi Alkenz. Bonjour. Bonjour Sabine. Le président de l'Inde poursuit sa visite d'État en Algérie. Une visite qui renforce les relations entre les deux pays. Abdelmadjid Tebboune et Droupadi Murmu l'ont souligné dans une déclaration conjointe. Les deux parties ont également relevé la convergence de vues sur nombre de questions régionales et internationales. Plusieurs points au programme de la présidente de l'Inde ce matin. Droupadi était au pôle universitaire de Sidi Abdallah et a visité la station de dessalement d'eau de mer de Fouka. Nous retrouvons en direct notre envoyée spéciale Sophia Boukercha. Forum d'affaires algéro-indien, une opportunité pour renforcer les perspectives de partenariat. Les travaux ont été sanctionnés par un accord sur l'établissement de relations d'affaires et de coopération fructueux et mutuellement bénéfiques. Le NAPEC s'impose comme une plateforme de référence pour explorer les opportunités liées à la transition énergétique, le développement de l'hydrogène, un des objectifs premiers du gouvernement. Coup d'envoi ce matin de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. 2 millions de doses ont été acquises cette année par l'Algérie. Au Proche-Orient, la ville de Jabalia sous blocus depuis 11 jours. La population meurt de faim alors que les bombardements de l'entité sioniste s'intensifient. Une première au Maroc, le convoi du roi Mohamed VI visé par un cocktail Molotov au centre de Rabat, la capitale, signe du profond malaise social qui secoue le royaume. Et puis sport, football, les Verts s'imposent face au Togo 1-0 et valident leur ticket pour la CAN 2025. Et nous rendrons hommage dans ce journal à l'ancien arbitre international Belaïd Lacarne, décédé aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. La présidente de l'Inde poursuit sa visite en Algérie. Elle s'est rendue ce matin au pôle universitaire de Sidi Abdallah où elle a reçu un doctorat honorifique de la part du président de la République. Droupadi a prononcé à l'occasion un discours au cours duquel elle a rappelé la solidité des relations bilatérales et la nécessité de renforcer la coopération technologique entre les deux pays. On retrouve sans plus tarder notre envoyée spéciale Sophia Boukercha. Sophia, bonjour. Oui, bonjour Fazia. Effectivement, la présidente de l'Inde, lors de sa visite ce matin au pôle technologique de Sidi Abdallah, a reçu un doctorat honorifique de la part du président de la République et qui lui a été remis par le ministre de l'Enseignement supérieur. Elle a souligné lors de son discours que cette distinction est une opportunité pour renforcer la coopération et le partenariat entre l'Inde et l'Algérie. Lors de sa rencontre avec le président de la République hier, elle a évoqué donc aujourd'hui dans son discours qu'elle avait mis en avant les avancées de l'Algérie dans le domaine scientifique et l'importance des sciences et des technologies. Elle a également évoqué la coopération indienne avec les universités africaines, notamment par le biais du programme Hi-Tech. Elle a encouragé les étudiants algériens à bénéficier des bourses offertes par son pays. Le président de l'Inde a rappelé les relations anciennes et profondes entre les deux pays, affirmant l'engagement de son pays à soutenir l'Algérie dans son développement et sa croissance. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Badari, a souligné lors de son discours que l'Algérie développe un système éducatif à la fois efficace et utile et que les jeunes et les étudiants figurent parmi les priorités du président de la République. Il a mentionné que des partenariats universitaires sont établis grâce à des accords de jumelage visant à atteindre un véritable partenariat dans les domaines de technologies avancées comme la robotique, la nanotechnologie et l'intelligence artificielle. En poursuite de sa visite, donc, la présidente indienne a assisté à une présentation sur les projets de stations de dessalement d'eau de mer, en particulier la station de Fouka 2, qui a bénéficié d'équipements fournis par l'Inde, renforçant ainsi la coopération technologique entre les deux pays. Merci Sophia Boukercha. Arrivé hier, Droupadi Murmu a eu des entretiens bilatéraux avec le chef de l'État. Outre le renforcement des relations bilatérales, plusieurs dossiers régionaux et internationaux ont été abordés. L'occasion pour Abdelmadjid Tebboune de souligner l'importance de cette visite dans le renforcement des relations entre Alger et New Delhi et pour la promotion de l'investissement et des échanges commerciaux. اتفقنا على ترقية على المستوى الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري وفي هذا السياق سيتم في أقرب وقت البدء في التحضير لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة المشتركة للتعاون وآلية تشاور سياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية طبعا لا سيما من خلال لقاء رجال الأعمال من البلدين وتعزيز أطر تعاون بإثراء الإطار القانوني والتنسيق والتشاور. Le président de la République a également affirmé l'engagement des deux pays à respecter les décisions du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental.
اتفقنا على أن نتابع معا مخرجات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية وفيما يخص المستجدات في الساحل على ضوء الأوضاع المقلقة السائدة فيها وأبدينا حرصنا على مواصلة دعم جهود السلم والأمن والتنمية في المنطقة لمساعدة الدول المعنية على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والبيئية التي تواجهها. Le président Tebboune a par ailleurs déclaré que la question du Moyen-Orient était au cœur des entretiens bilatéraux. كان لي مع فخامة الرئيسة حديث مطول ومعمق أملته الظروف الخاصة والاستثنائية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي تطرقنا إلى ملفات عديدة منها ملف شرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته لا سيما الاعتداء على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان ومن جرى عن ذلك من تبعات إنسانية كارثية وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم اتفقنا على تكثيف التنسيق والتشاور وجددنا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود جوان 67 De son côté, l'hôte de l'Algérie a salué le rôle du président Tebboune dans l'orientation de la coopération vers un avenir prometteur. C'est un grand honneur pour moi d'effectuer cette première visite en Algérie, d'autant plus qu'elle coïncide avec le début du second mandat du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Je suis accompagnée de mon secrétaire, de membres du Parlement, ainsi que d'une délégation d'hommes d'affaires. Cette journée marque un moment historique pour les relations entre l'Inde et l'Algérie. Je tiens à féliciter M. Tebboune pour sa réélection. Sa vision pour la nouvelle Algérie force le respect. Léopadi Murmu a également mis en avant la vision et le leadership du chef de l'État, souhaitant que les relations entre les deux pays reviennent à leur plus haut niveau. Aujourd'hui, j'ai eu un échange très constructif avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et je lui ai réaffirmé notre engagement à hisser nos relations bilatérales à un plus haut niveau. Nous mettons un accent particulier sur les investissements et j'ai également saisi cette occasion pour réitérer l'engagement de l'Inde envers l'Afrique. Le Forum des hommes d'affaires, qui se tiendra aujourd'hui, examinera nos projets communs et identifiera plusieurs initiatives visant à donner une nouvelle impulsion à notre coopération économique et commerciale. Je remercie le président Tebboune pour son leadership et son soutien constant à la coopération bilatérale et multilatérale. Et après ses entretiens avec le chef de l'État, la présidente de l'Inde a co-présidé avec le ministre du Commerce, Tayyip Zitouni, le Forum d'affaires algéro-indien. La rencontre a constitué une opportunité pour renforcer les perspectives de partenariat. Les travaux ont été sanctionnés par un accord sur l'établissement de relations d'affaires et de coopération fructueux et mutuellement bénéfiques. Hanan Saïsi. Les opérateurs économiques privés et publics représentant les deux pays sont unanimes quant à l'importance d'un renforcement des relations d'affaires sur le principe gagnant-gagnant. Selon les propos recueillis de part et d'autre, les réformes opérées par l'Algérie permettent d'asseoir un climat d'investissement favorable, notamment dans les domaines stratégiques, comme souligné d'ailleurs par la présidente indienne qui a présidé le forum. Il s'agit là de développer des partenariats économiques dans les domaines de l'industrie pharmaceutique, les TIC, les start-up, l'agriculture et l'aérospatiale. Le forum, qui a enregistré la participation de près de 500 opérateurs et investisseurs, démontre l'intérêt particulier accordé aux échanges économiques dans le cadre d'une nouvelle ère de coopération projetée par les deux pays. La partie algérienne, par la voix du ministre du Commerce, a mis en avant les atouts économiques que recèle le pays, relevant en ce sens l'importance de diversifier les domaines d'échanges commerciaux et l'exploitation des opportunités d'investissement à partir d'une approche rentable pour les deux pays. Autre actualité économique de la semaine, la tenue à Oran d'une APEC. L'Algérie planifie la mise en œuvre de grands investissements dans le secteur de l'énergie durant la période 2024-2028. Ils porteront principalement sur le renforcement des capacités de production et la transformation des hydrocarbures. La déclaration du ministre de l'Énergie et des Mines à l'ouverture du salon. Mohamed Arkab a souligné que le développement de l'hydrogène fait partie des objectifs premiers du gouvernement qui vise à en faire un vecteur stratégique dans le cadre de ses engagements climatiques et de son programme
programme de transition énergétique. Le PDG de la Sonatrach, Rachid Hachichi, a quant à lui mis l'accent sur la nécessité de développer des solutions cohérentes et harmonieuses répondant à la demande énergétique et respectant les exigences écologiques. Dans une conférence de presse, il a affirmé que l'Algérie dispose de tous les atouts pour se lancer dans l'industrie de l'hydrogène vert, d'autant que le marché mondial, marché européen notamment, exprime actuellement une grande demande pour cette énergie propre. On écoute Rachid Hachichi. Vous voulez que disposer de l'hydrogène qui pourra être produit en Algérie, parce que les études donnent que l'hydrogène qui sera produit en Algérie sera le moins cher. Pour votre information, l'unité de mesure de l'hydrogène, c'est le kilogramme. Donc, si on le produit en Europe, c'est entre 5 et 6 dollars le kilogramme. Les études qui ont été faites, et beaucoup de gens n'y croient pas, mais il faut qu'on arrive à faire un pilote et mesurer réellement combien ça va coûter en Algérie. C'est entre 1,5 et 2 dollars. C'est pour ça qu'il y a un intérêt très important. Le PDG de la Sonatrach a par ailleurs fait état d'un manque à gagner en gaz et en électricité. Il est estimé à 15% en cause le gaspillage. Nous avons une consommation qui augmente jusqu'à 6% par année. Donc il y a lieu, je dirais, de rationaliser la consommation. Parce que vous dites augmenter la production, moi je vous assure qu'on peut dégager du gaz en limitant la consommation inutile, pour ne pas dire le gaspillage. Donc nous devons contribuer tous à sensibiliser nos citoyens, à sensibiliser nous-mêmes chez nous pour réduire la consommation. Et nous pouvons quelque part disposer de 15% de ce que nous consommons en rationalisant la consommation. 15%, ça représente un grand gisement à exploiter qui nécessite 10 années minimum de travail. Les propos du PDG de la Sonatrach sont recueillis par notre envoyé spécial à Ouran, Hakima Kamel. L'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures a lancé hier un appel à concurrence internationale. Algeria Bid Round 2024 vise à attirer de nouveaux investisseurs pour les investissements dans le secteur des hydrocarbures en Algérie. D'autres appels d'offres suivront. Ils engloberont différents axes pour développer la production d'hydrocarbures pour renouveler les réserves. De Bellahjem, président du comité de direction d'Alnaft, en parle à Nariman Mendil. Il était ce matin l'invité du jour. Tous les contrats qui sont aujourd'hui chez Sonatrach, c'est Alnaft qui a été l'initiatrice des projets. Ça commence avec une convention d'études. Une fois que la compagnie est préqualifiée par Alnaft, il y a un accord de confidentialité qui se fait et Alnaft propose des opportunités. Donc les compagnies, ils étudient, ils évaluent, ils font leurs simulations, ils reviennent vers Alnaft sur une zone d'intérêt. Il y a aussi le bid round. On a tenu beaucoup de réunions avec les compagnies pétrolières pour essayer de collecter leurs préférences, leurs attentes doing business in Algeria. Et il convient tous qu'ils veulent avoir une visibilité sur le lancement du bid round. Donc on va essayer de lancer chaque année un bid round. On va se limiter à 4, 5, 6 en fonction de nos ressources aussi, hein, avec l'objectif d'attirer le maximum d'investisseurs en Algérie et intensifier l'exploration. Le général d'armée et chef d'état-major de l'ANP en visite en Mauritanie à partir d'aujourd'hui à l'invitation de son homologue El Mouhtar Boleh Chaben. Les deux parties examineront les questions d'intérêt commun. Le ministre de la Santé a réuni ce matin les directeurs régionaux de son département. La numérisation du secteur, les urgences médicales et la vaccination antidiphtérique au centre de la rencontre. À ce propos d'ailleurs, Abdelhak Saïhi a déclaré que tous les cas de paludisme ont été pris en charge et que l'opération de vaccination se poursuit. Il le dit, Hassan Chemesh. L'État a pris tout le dispositif nécessaire, à la fois du médicament, du personnel, de la présence sur place, pour pouvoir prendre en charge les deux cas qui sont le paludisme et la diphtérie. Pour le paludisme, nous avons envoyé une équipe sur place qui a confirmé que le moustique sur place ne véhicule pas la maladie. Donc c'est importé. Et nous avons eu un nombre important. On est arrivé à 3200, dont presque 90% c'est des étrangers. Mais quand même, on les a pris en charge. Également de même pour la diphtérie qui n'existait pas. Et on a quand même pris une mesure pour pouvoir vacciner l'ensemble de cette région, même dans les zones en dehors de la ville et les nomades, etc. Et on est arrivé à vacciner 43 000 pendant une semaine et l'action est continue. 12h47 sur Alger, chaîne 3. Situation au Proche-Orient où plus d'une dizaine de Palestiniens sont tombés en martyr la nuit dernière dans un bombardement sioniste qui a visé une maison au nord de la bande de Gaza. Et au cours des dernières 24 heures, 55 martyrs et 329 blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de l'enclave suite à 4 massacres commis par l'occupant. Le bilan de l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne s'est alourdi à plus de 42 000 martyrs et près de 100 000 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Les Gazaouis vivent le calvaire quotidiennement. Les bombardements
traitements se poursuivent sans discontinuer. Jabalia est sous blocus depuis 11 jours. Aucune aide ne parvient à la population qui meurt de faim. Faris Aoued, membre des services sanitaires de Gaza, en parle à Karima Bennour. La situation est catastrophique. Toutes les lois internationales sont piétinées. Le nord de Gaza est encerclé. Aucune aide n'y parvient. La famine s'y propage. Même les équipes médicales sont empêchées de travailler avec les bombardements continus des ambulances. Pendant 8 heures, nous avons difficilement transporté les blessés et les shuhada bombardés dans les écoles, les maisons, les rassemblements de citoyens et le centre d'aide humanitaire à Jabalia qui appartient à l'UNRWA. Je n'arrive pas à comprendre ce silence du monde arabe et international. Au Liban voisin, plus de 1300 personnes sont tombées en martyr depuis l'intensification de l'agression sioniste contre ce pays. Le Liban qui a déposé une nouvelle plainte au Conseil de sécurité contre l'entité sioniste qui cible les casques bleus et les établissements scolaires. Gamal Abina, expert en questions internationales, reste sceptique quant à l'aboutissement de cette plainte. Il le dit à Liestel Rini. Une politique du deux poids deux mesures, c'est surtout une politique d'alignement total avec l'entité sioniste. Donc effectivement, lorsqu'ils frappent la FINUL, ça ne pose aucun problème. Ils savent qu'ils auront la couverture américaine derrière, qui fera un droit de veto. Un État voyou qui s'autorise à tuer, bombarder, massacrer, utiliser des armes parfaitement interdites, cibler particulièrement des civils, des hôpitaux, des écoles et toutes les installations de l'ONU. Donc cet État, qu'on appelle Israël en l'occurrence, se comporte comme un criminel. C'est bien un État terroriste. À partir du moment où on frappe des civils, on devient un État terroriste. Et ils vont frapper aussi la FINUL parce qu'ils ont, eux, qui ont été quand même créés par l'ONU. 47, ces ingrats considèrent que l'ONU n'a plus rien à dire. Une fois qu'ils ont eu la création, une fois qu'ils ont l'autorisation de prendre la moitié de la Palestine, et maintenant les trois quarts, et bien maintenant ils s'affranchissent de tout droit international. Le seul droit qui les a intéressés, c'était le droit de la création en 47. Une première au Maroc, le convoi du roi Mohamed VI a visé par un cocktail Molotov au centre d'Oraba, la capitale, signe du profond malaise social qui secoue le royaume, Liestel Rini. Les vidéos qui circulent sur le net témoignent de la colère et du désespoir du peuple marocain. La scène se déroule à Rabat, on peut voir le convoi du roi Mohamed VI ciblé par un jet de cocktail Molotov, ce qui a semé la confusion auprès des forces de sécurité malgré une importante surveillance. L'auteur de cet acte, âgé de la vingtaine, sera arrêté sur place. C'est une première, mais également un événement révélateur. Dans un contexte où les jeunes marocains étouffent dans leur propre pays, entre chômage, baisse du pouvoir d'achat et des conditions de vie de plus en plus difficile. Une frustration qui les a poussés à fuir le pays, quitte à tenter de rejoindre l'Espagne à la nage. Le malaise social est traduit en grande populaire. Il ne passe pas une semaine sans que le royaume dirigé par la famille Alaouite ne connaisse de manifestations. Étudiants, avocats, secteur de la santé ou contre la normalisation. Alors que des millions de Marocains attendent des mesures concrètes pour soulager leur douleur, les autorités songent plutôt à octroyer la nationalité aux enfants et petits-enfants de juifs d'origine marocaine. Un projet de loi qui rentre dans un processus de légitimisation des colons israéliens et de sionisation du royaume. Retour chez nous, prudence si vous prenez la route, les pluies sont de retour, notamment sur le centre et l'est du pays. À suivre une page météo complète à la fin de ce journal. Et durant les dernières 24 heures, la protection civile a enregistré pas moins de 9 décès et 190 blessés sur la route. La vigilance est de mise, notamment avec le retour de la pluie dans plusieurs wilayas du pays. Commandant Nassim Bornaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la protection civile, en parle à Samia Aloun. Durant les dernières 24 heures, la protection civile a enregistré 9 personnes décédées et 186 autres personnes blessées suite à plusieurs accidents de circulation enregistrés à travers plusieurs wilayas du territoire national. Suite aux différents DMS concernant les chutes de pluie à travers plusieurs wilayas du pays, il est nécessaire de rappeler nos citoyens les consignes à prendre pour être à l'abri des accidents, notamment pour les utilisateurs de la route. Il est nécessaire de vérifier, entretenir ces balais et suie-glace et avoir une bonne visibilité. Il ne faut absolument pas essayer de traverser les torrents et aussi les ouettes, que ce soit à bord de son automobile ou à pied. Culture, la cause palestinienne s'invite au Festival international du théâtre de Béjaïa. Des pièces théâtrales et des conférences programmées traitent du droit à la liberté. Sidali Fares.
Les responsables du Festival international du théâtre de Béjaïa ont organisé une conférence en solidarité avec le peuple palestinien intitulée « Du mépris génocide colonial de l'Algérie à la Palestine » animée par Yazid Belhounet, anthropologue et chargé de recherche à l'école des hautes études et sciences sociologiques en France. Il revient sur les écrits qu'il a réalisés pour dénoncer le génocide en Palestine. J'ai écrit plusieurs textes en fait depuis tout début. Après le 7 octobre, il y avait comme une chape de plomb en France qui s'est abattu sur les universitaires et au-delà. Il était impossible de parler de ce qui s'était passé avant le 7 octobre, qui permettait d'expliquer le 7 octobre en France. J'ai publié plusieurs textes depuis octobre dernier pour parler justement du génocide en Palestine. Et certains ont été publiés en France, mais plutôt dans des sites alternatifs, ou alors en Algérie, dans différents sites de la presse algérienne. Et donc j'ai écrit un texte qui s'intitule « Nous sommes avec la Palestine, quel est tort ou raison ?» en référence à la fameuse formule du président Boumediene, pour essayer d'expliquer un petit peu comment moi en tant qu'Algérien je percevais ce débat qui était impossible en France. Le Festival international du théâtre de Béjaïa a dédié cette 13e édition du festival en solidarité et soutien au peuple frère palestinien de Béjaïa. C'est Ali Fares, Algérien 3. A déversé sur nous l'horreur, assassinat, lynchage, ratonnade, chasse à l'homme dans les rues d'Oran, à Paris, au fil de la Seine, pendus aux arbres du bois de Boulogne, des cadavres par centaines. On passe au sport avec vous, Rostomir Yachif. Bonjour. Bonjour. Et on commence avec cet hommage à l'ancien arbitre international Belaïd Lacarne, décédé ce mardi à l'âge de 84 ans. Il était ancien arbitre international et ex-président de la Fédération algérienne de football, icône de l'arbitrage algérien et africain. En 1988, il a été ancien président de la Fédération algérienne de football. Il a eu le privilège d'officier durant le Mondial 1982 en Espagne. On va écouter l'un des ex-arbitres internationaux qui l'ont connu, c'est Fahour Miel. J'ai fait mon passage avec lui comme arbitre à la commission d'arbitrage algérien de football. C'était un grand monsieur, c'était un grand gentleman. Où est-ce qu'il a donné à l'arbitrage algérien sur la formation? Et sincèrement qu'on a vraiment appris avec lui beaucoup de choses sur la formation. Il est un des grands hommes, sincèrement, ce qui me plaît en lui, il a une grande personnalité. Il a le regard, il remarque beaucoup d'arbitres. Vraiment, quand on était à la commission d'arbitrage, on le souhaite toujours qu'on soit comme lui, parce que c'est pas facile d'avoir quand même l'un des arbitres internationaux qui a officié à l'Espagne 82. On était sur le chemin qu'on veut suivre toujours son parcours et son honorable personnalité. Et aujourd'hui, que je dirais que l'Algérie a perdu l'un des grands arbitres internationaux à l'époque et aussi l'un des grands formateurs algériens. Belaïd Lacarne a aussi été président de la commission d'arbitrage de la FAF. Il a également siégé durant plusieurs années comme membre de la commission d'arbitrage de la FIFA et de la CAF. Belaïd Lacarne sera inhumé cet après-midi après la prière de l'Asr au niveau du cimetière de Sidi Belaïbès. Et puis en football également, la sélection nationale qui assure sa qualification pour la CAN 2025 après sa victoire hors de ses bases face au Togo, 1-0 grâce au but de Ben Sebaini à la 18e minute sur penalty. C'est la 8e qualification de suite pour l'équipe nationale en Coupe d'Afrique des Nations. Merci Rostom Yahyachif. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Selma Figuier et Erdouane Siassi. C'est directé à la console technique, Myriam et Hussein à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.